Franck de What's Attitude. Et aujourd'hui, nous faisons la vidéo du délestage. Délestage. Donc, on va commencer par le monophasé. Donc, faut pas faire ça à la maison. Hein. Ici, c'est vraiment pour vous faire voir. Donc, on a une BoxWatt V3. C'est celle de Vincent. Donc, avec un délestage demandé de 45 ampères. Par rapport à un abonnement de 45 ampères, donc de 9 kVA. Donc, on a ici le tore qui est autour de L2. Je l'ai mis sur L2 parce que ça nous intéresse, vous allez comprendre pourquoi. On vous expliquera un petit peu sur notre vidéo à quoi se consiste hein, tout ce système. Et pour l'instant, on n'est vraiment que sur le délestage. Donc ici, on a notre fameux interdif, 40 ampères, 30 milli. En type B, on a ici le 6 mA en DC qui est géré par le module. Voilà, donc c'est une box qui est prête, elle marche très bien. Donc on va tout simplement visualiser maintenant si le délestage fonctionne bien. Donc déjà on va la mettre sous tension, c'est branché, bon, vous voyez c'est comme ça là. C'est un peu, c'est vraiment pour la démo, pour que vous voyez bien l'intérieur. Voilà, donc je mets sous tension. Je teste forcément la terre. La terre. Donc ici, on bascule le 40 ampères. Donc on laisse le module VSE faire son office, son auto-diagnostic, auto-test. Voilà, on va allumer. Tiens, le coup de poing sûrement qui est allumé, qui est entranché. Voilà, on retire le coup de poing, c'était lui qui était entranché. Voilà, donc là, on est sur 10 ampères. 10, 16, on va retirer ça, que vous voyez bien, voilà, ici on a 10, 16, 20, 25, 32 ampères, donc on va le laisser sur 10 ampères, vous allez comprendre pourquoi tout à l'heure, et on allume l'écran, on va retirer l'opercule, m'excusera Vincent, les gens ils aiment bien retirer eux-mêmes l'opercule, mais moi je le fais à l'arrache, désolé, ça se fait pas, voilà, on verra un petit peu mieux. Mais on le recolle donc, après. Je vais le mettre là. Il l'a pas vu, de toute façon, on ne verra pas qu'on le retire. Donc voilà, un affichage couleur, c'est super chouette. Donc là, on a déjà 2 kWh qui ont été mis hier. Donc là, j'appuie longtemps sur le petit bouton pour resetter. Voilà, donc là, c'est resetter. On va vraiment voir. On part de zéro. De zéro. Vous pouvez faire ça une fois par mois, une fois toutes les semaines, ou une fois par an, c'est comme vous voulez. Donc voilà, on est sous tension. Tout est OK. On va. Maintenant, la petite mère, là, elle, sous tension, elle y est déjà, et on va charger la S. Vous allez comprendre pourquoi. Donc ici, hein, Clément, t'as vu, on a un beau... vas-y, filme. Pour les fans de Rossi, hein, ici, on était des fans... Enfin, on est toujours des fans de Rossi, surtout ma femme. Et ben, maintenant qu'il ne tourne plus en MotoGP, hein, au moins ça. Donc, le câble est déjà préparé. Ouais. On va charger la S. Donc ça, tout est OK, c'est bon, hop. Première journée de l'année où il fait aussi beau en Normandie. C'est fou. Hein. Hop. Hop. Donc là, elle est réglée sur... sur 10 ampères aussi. Et sur 10 ampères, c'est parfait. On va donc visualiser tout ça. Ouais, le LCD, c'est un peu, ça clignote ouais. Dans tous les sens. Sinon, on va aller voir l'intérieur. Voir l'intérieur. Là, ça monte ouais, progressivement bon. Sur la face du milieu, mais ouais. On le voit pas. Vas-y. Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc là, on est bien sur 10 ampères sur la S. Donc, on va la mettre à 16 ampères, par exemple. Ouais. On va laisser à 10. On va dire que ça, c'est la consommation de la maison. On va dire que la maison consomme. D'accord ? À raison de 10 ampères. Maintenant, on est en 10 là aussi. C'est un peu le bazar. On va brancher la Dacia de madame. Ça a verrouillé. Ça discute, cloque. Alors ce qui est bien avec ces technologies là, hein,
On a les relais de puissance, hein, c'est sur Ride-In, c'est ça, c'est increvable. Et puis si ça devait fatiguer, ça vaut rien quoi. On retire les 5 vis, enfin 4 vis plus 2 vis, terminé, on change, c'est fini. Donc sur des chargeurs, en fin de compte, ce qui dégomme le plus, c'est le relais de puissance. Mais bon, là, on est vraiment dans quelque chose de très fiable. Alors ici, on voit bien que là, on est en 10 ampères, hein, 2,4 kg. Ça prend sur une phase, je suis d'accord. Il fait 38 degrés, dis donc. Donc, ok, c'est parti. On va visualiser là-bas maintenant, si tu veux. Donc ici, là, on a 10 ampères. On a 10 ampères sur L2. Ah. Ici, on a 10 ampères, 10 ampères, mais là, maintenant, on a plus, ouais. Puisqu'on a mis en route la Dacia, en 10 ampères aussi. Au total, on a un petit peu moins de 20 ampères. Ah, c'est clair. L1, L2, L3. 9 ampères pour la Tesla et 10 ampères. Alors on précise que là on est en triphasé. Oui, on est en triphasé, voilà, pour ceux qui n'ont pas compris. Voilà. Et comme on a un abonnement de 24 kVA, donc 40 ampères par phase, on ne s'est pas arrivé à 45 ampères en principe. Mais comme on n'a pas de Linky, on va pouvoir dépasser un peu, puis voir si le délestage réglé sur 45 ampères fonctionne. Parce que si on dépasse 45, ça saute. À droite à 40, on va voir si ça fonctionne, mais bon, on sait que ça fonctionne puisqu'on a fait des essais avant, bien sûr. On est des professionnels quand même. Voilà. Et surtout, on a peur du ridicule, donc on essaie. De toute façon, si ça ne marchait pas, la vidéo, on la sort pas. C'est sûr. Allez, donc on y va. Là, je passe en 16. Donc là, on était en 10, on va arriver à 16. Ouais. D'accord. Ici, on est à 23, 24. On ne voit toujours pas. Je vais remontrer à l'intérieur. Reste là finalement. Ouais. Donc là, tu es à 25. Je suis à 25, ouais. Donc là, je passe à 20. Hop. On est un petit peu moins de 30 ampères. Donc là, je suis à 24. Ouais. Nous, un peu moins de. Voilà, un petit 34-35. D'accord. Donc ce que je vais faire, si je passe là à 32. Ouais. Délestage va pas. Regarde, on va pas atteindre le maximum. Voilà. Donc ce qu'on va faire, vais baisser, je vais remettre à 10. Ouais. Et tu vas augmenter la Tesla. Ouais, tout à fait. C'est bon, on est à un peu moins de 20 ampères. D'accord, ok. Donc là, maintenant, on va mettre la Tesla. Tu peux mettre sur 20, je pense. Toc, directos, toi, ça. Ouais. Ça affiche, toi, 20 ampères. Mais bon, pareil, on est sur une face, ça c'est. Ouais, on voit pas trop bien. On voit pas bien. Je vais remettre. Voilà. Donc okay. La Tesla elle est à 20 ampères et la Spring à 10 ampères. Donc on est à un total combiné de 30 ampères. Donc ça veut dire que 20 ampères pour la Tesla, si on rajoute 32, ça fait 52 ampères. Donc ça devrait sauter ou fonctionner si le délaissage fonctionne. Mmh. D'accord. Tu restes là. Allez. Donc là. viens, préfère que je vienne là. Ouais, bah pour vous faire voir vraiment qu'on est en 10. Donc là, hop, donc 16. Donc 16 et 16. 32. Non, on est sur 20. Donc oui, 20. On est sur 20, pardon. 20 et combien 16, 20 et 16, 36. 36. Donc on peut mettre d'office là. Voilà, on est à 20 et 20. Donc on devrait avoir 40 là-bas. Tu peux aller voir là-bas. Regardez. Un petit 40. Je pense. Ouais, c'est ça, on est à 40. Voilà. Donc là. Si on est à 40, on est à 20 et 20, d'accord. Donc si je passe à 24, on va arriver à 44. Donc c'est 45 ampères, on va voir comment ça réagit. Ça devrait commencer à... Ok. Donc là, je passe à nos fameux 24, ça monte doucement. Pousse tes gros doigts. C'est pas la folie, hein. Ouais. Donc là, on a bien pris les 24, allons là-bas. Là, on est à un petit 45. Voilà, donc déjà, nous, notre abonnement, il tient. Hein, on a 45. Maintenant, je vais passer à 32. Ouais. Donc, si ça passe les 45, c'est que ça ne marche pas. Hein. Par contre, si, malgré que j'ai mis les 32, ça reste toujours au maximum, c'est que ça régule. Ouais. D'accord. Là, ça devrait augmenter de 12, quand tu regardes bien. Va là-bas plutôt que tu visualises. Ok. Ouais. Tac, 32.
On voit qu'il y a une petite chute d'intensité pour la régulation. Là, on ça, est. Ça a baissé un tout petit peu. Ouais. Plutôt qu'augmenter. Donc, voilà. Donc là, tu vois, c'est instable. Ouais. Donc on est en pleine régulation. Voilà, ça régule. Ouais, on est aux alentours de 44-45. Voilà. Mais comme. Attention, pour un abonnement de 45 ampères en mono, ouais. 9 kVA, j'ai un. On a un internaute là qui nous a. Un client qui nous a dit que lui. Sur son abonnement de 45 kVA, 9 kVA 45 ampères avec un Linky, il passe de 6% son abonnement. Donc, alors que moi j'ai toujours entendu parler, puis visualiser qu'à zéro, boum, ça saute. Mm. Donc ça marche. Voilà. On va augmenter maintenant la S. Moi je vais montrer aussi quand même qu'on raconte pas du flanc, que t'as pas baissé le. Ah oui, oui, bien sûr. Donc là, on retire le petit. Tiens, retire-moi le bouton, j'arrive pas à l'attraper. Donc on est sur 32 ampères. Remets le bouton qu'on voit bien parce que. Ouais, faut savoir. Ouais, mais... Voilà. Voilà, donc on est sur 32. Ouais. Et juste ici, on est bien. 24, ouais. Ça te patouille. Ouais. Et tiens, regarde, déjà en direct, regarde. Vas-y, tu essaies de filmer qu'on voit bien l'écran. C'est pas la folie furieuse. C'est pas trop. Voilà. Et là, tu vois, je descends à 24. Et en fin de compte, il se passe pratiquement rien. Bah oui. Voilà. On va voir si c'est plus stable là-bas. Ah bah. Logiquement, hein. Ouais, on revient au un peu moins de 45 ouais, de tout comme, à l'heure. Comme il régule pas, comme le délestage fait pas son office, bon bah ça. On est à 24 plus 20. Ouais. Voilà. Tout à fait. Enfin, c'est 25 ça. Plus 20, donc là, bon bah. Ouais. Mais bon, 45 tu as vu la tension, hein, n'empêche, on était tout à l'heure à 246 volts sur les trois phases. Ouais. Et là, quand on tire 20 ampères de moins, mm-hmm. tu as vu, on abat quand même 6 ampères. Hein. Mm. 6 volts. C'est, excuse-moi, oui, 6 volts. Donc là, maintenant, on va passer ici. Mmh. Donc là, on a bien 20 ampères. Et donc là, on augmente la puissance demandée donc en kilowatts ouais. par la maison. Parce donc que là on parle de. Hein, là, c'est la voiture. Ouais. Mais on parle, nous, de la maison en général, oui. Ouais. Ouais, ouais. Donc là, je passe en 25. Donc 25 plus voilà. 25, on devrait être à 50 ampères. Mais en fin de compte. On va aller voir là-bas, ça a dû descendre là un petit peu. Ouais. T'as vu? Ouais. On est passé de 25 à 20. Voilà, je change ici, je remets, filme là, je remets à 20. Donc tu vois, donc elle la reprend. Ouais. Et là, si je repasse en 24, elle va chuter à 20. Voilà. Voilà. Ouais. À compense, à compense. Et j'ai beau mettre à fond 32, ça changera pas grand-chose. Voilà. Puisque la charge en 24 ampères en triphasé. Mmh. Ça marche bien. Voilà. Ça marche du feu de Dieu. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire Attends, je vais baisser la charge parce que on fait tellement d'essais que les voitures, les batteries sont pleines. On est embêté. Il faut qu'on roule pour vider un peu les batteries. C'est ridicule. Mais c'est comme ça. Quand on aura le V2L avec le V6, on pourra alimenter la maison. Plutôt que de faire des kilomètres pour vrai. Alors, est-ce qu'on ferait pas un petit récap, le tore là qu'il y a, donc sur, on explique à quel endroit faut le placer. Voilà, donc là, on s'est pris un petit peu la tête hier, puisque le tore, je le mettais ici, à l'arrivée générale. Juste là en dessous. Voilà, je le mettais là. Juste le là. Fait de le mettre là, comme on prend toutes les phases, et le neutre, ça ne fonctionne pas. C'est comme une passe ampérométrique en fin de compte. Mm-hmm. Une passe ampérométrique, il faut que tu la mettes sur la phase. Mm-hmm. Pas sur le. Donc là, bon, on a choisi L2. Donc pourquoi tout à l'heure tu disais L2? Bah, tout simplement parce que là, la box de Serge, elle est raccordée sur L2. Enfin, voilà. En triphasé. Ouais. Et donc. Nous, c'est le monophasé qui est. La borne voilà. monophasé voilà. qui est raccordée sur L2. Voilà, tout à fait. Voilà, tout simplement. Mais donc, dans le cas d'une installation en monophasé, la question ne se pose pas. Oh, ça va sur L1. Le tore, voilà. il va sur L1 et puis basta. Ah, oui, parce qu'il n'y a que L1. Ouais. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, une question qui a été posée aussi par un client, qui a commandé quand même la box. Je crois, oui, c'est ça. Mais quelle distance peut-on couvrir avec le tore et son efficacité? Donc on va faire. On va couper là, ouais. et puis on va faire une maxi rallonge, enfin 10 mètres, hein, on va faire 10, oh, peut-être un peu plus. Ouais. On va commencer par 10 mètres, hein, et puis on va faire les essais. D'accord? Allez, à toutes. Allez, à toutes.
Donc ben voici le résultat des courses. Donc 10 mètres de câble avec du 1.5, ça ne marche pas. Le délestage ne fonctionne pas. Il y a de la résistance, comme on dit. Donc on va essayer avec du 2.5. Temps préhistorique. Derrière toi la pince. Ouais. Donc à tout de suite pour le test. Donc alors voici nos essais. Donc là c'est le dernier qu'on a réalisé. Bon, en câble j'ai pris ce que j'avais. Donc c'est du 4G4. Donc on a pris deux brins. Donc là c'est du 4 mm². Parce qu'on a essayé, donc en 10 mètres de longueur, on a essayé en tant que rallonge avec du 1.5. 10 mètres de 1.5. Avec 10 mètres de 1.5. La bobine que j'ai là, elle a tendance quand même à ronronner. Donc ça ne marche pas. On l'a laissé ronronner, on a essayé si le délestage fonctionnait. Ça ne marche pas. Donc il y a trop de résistance dans le câble. Mais bon, on s'en doutait un peu. Oui, un petit peu, oui, quand même, carrément. Mais bon, bref. Ensuite, après, avec les moyens du bord aussi, on a pris du 3G25. 3G25. Ça fonctionne. Pour 10 mètres. Pour 10 mètres. On s'est dit, tiens, on va essayer avec du 4 mm², si ça change un petit peu. On a poussé le vis. Parce qu'en fin de compte, là, en direct, le délestage se maintient à 44 ampères. 44-45, ça dépasse pas, ouais, les 45. Mais ça oscille. Donc, impeccable. Avec celui-là, donc, on a dit ça ne fonctionnait pas du tout. Avec celui-ci, donc, sur 10 mètres, avec du 2.5, on est à 45-46, on oscille. Donc c'est bon. Et avec celui-là, en fin de compte, avec du 4 carrés, c'est pareil. Donc ça veut dire que si vous avez besoin de plus de 10 mètres, 15 mètres, avec le 4 carrés, ça devrait le faire. Ouais. 20 mètres, 6 carrés peut-être, etc. Il faut voir. Là, après, c'est chaque utilisateur. Oh, c'est des cas extrêmes, hein. 20 mètres du compteur, ça fait beaucoup. Il y a des... Ça arrive, mais ce n'est pas les cas les plus répandus. C'est une chose le compteur, mais ce n'est pas le compteur qui nous intéresse, c'est le disjoncteur 500 mm. Ouais. Et là, toi, ici, à la maison, on a le compteur qui n'est pas un Linky, en limite de propriété, avec un disjoncteur. Et on a un autre disjoncteur de l'autre indice qui sauterait avant celui-ci si on tirait trop. Ça évite de sortir dehors pour réarmer. Et donc voilà, ça veut dire que si dans une configuration de maison un peu peut-être ancienne, etc., que le disjoncteur 500 mm est juste à côté du compteur et que le câble qui arrive au tableau électrique, à partir du moment que c'est la bonne section, on peut se prendre directement à l'arrivée du tableau électrique, hein, c'est pareil. Hein. Mmh. Par contre, si la box devait être loin du tableau électrique, là ça se complique. Mais bon, loin, je ne crois non plus. Non, si c'est à 50 mètres dans une grange, là c'est compliqué. Ok. On explique comment on raccorde ça. Tiens, donne-moi ce bout-là, je vais le tenir. Non, celui-ci. Toi, oui. Tu as branché ça d'abord. D'accord. Donc bon, on précise, c'est coupé, il n'y a plus de jus. Donc hein, on a mis des. Ça, c'est pour les essais. Hein. On est bien d'accord. Donc là, toujours pareil. La flèche. Flèche dans le sens, même si les aiguilles d'une montre. Voilà. Hop. Nous, on sait que le courant donc arrive et rentre dans le compteur. Le compteur, c'est il y a la pliage blanche là où il y a les écrans. Mm-hmm. Donc, on met la flèche qui rentre vers le compteur. Ouais. Ouais. D'ailleurs, on essaiera savoir si ça marche aussi dans l'autre sens. C'est ça. Voilà. Donc là, c'est du 4 mm². Hein. C'est du souple. Donc en rigide. C'est beaucoup plus fin. Il y a ça aussi qui pourrait faire changer du câble unifilaire, tu vois. Mmh. Ça, bobine de 100 mètres, c'est pas cher. Et puis, allez. Donc là, sur le module, nous, ce qui nous intéresse, c'est les plots CT1, CT1 et CT2 qui sont en bas à droite sur le module. Tu peux te pousser un peu, s'il te plaît. Oh, yes. Hop. Bon. C'est pas gros, puis je suis pas... Voilà, nickel.
On serre, bon, on fait attention, on serre pas comme un âne non plus, c'est des petites vis. Ça me rappelle quand j'étais. Tu le fais vachement bien ça. Ouais, quand refais pour voir. Là, on s'y croirait. Attends, je ferme les yeux. On se croirait dans la prairie. Eh hey, Shrek. Et la bandeau, le fidèle destrier. J'avais adoré cette. Voilà. Donc paf. Là, par contre, comme c'est un petit peu lourd, je vais pas non plus tirer sur le module. Ouais, on l'attache le câble. Ouais. Principe, c'est censé passer dans le pressé-touple à l'intérieur, ouais, mais bon, pour gagner du temps, on va pas non plus. On va avoir un petit problème pour le laisser passer dans le pressé-touple. Ouais. Ouais, c'est vrai que là, c'est un peu plus. Donc voilà. Et là, c'est bon. On peut remettre le jus. Le jus. Ouais. On a arrêté ici là, ouais. Barbare. Ah mais après il s'est pas encore remis. Mmh. Allez, là, c'est bon. Je vais aller brancher moi la Tesla. Ouais. À ce temps-là, tu me donnes le top à la vachette. C'est bon. À voter. Mine de rien, depuis tout à l'heure, on a mis 10 kWh. Ouais. Donc là, la spring, elle, s'est pas enclenchée, donc on va débrancher, rebrancher. Vas-y, je m'en occupe. Hop. À voter de nouveau. Donc là, on a les réglages sur 10 ampères et sur 10 ampères. Ouais. Donc on va être en combiné à 20 ampères sur L2. Voilà, on va mettre le petit truc là-bas. Pif paf. Voilà. Vas-y. Allez, viens voir. Ah. Je te lâche. Ça va, Mary Poppins? On brille la girl. Ouais. Et puis en même temps, tu peux faire c'est sur la barre. Là. Ouais, bah, pole dance. Ouais. Ça a changé votre attitude. Il va me fourrer la gueule avec. Tiens, la bordure. Super journée, super. Bon, c'est bon, on y est. Allez. Donc là, on est toujours ça, à 10. On dit que c'est la maison. Hein. Yes. Donc, on met à 32 ampères ici la Dacia. Ouais. Donc là, on va arriver à 10 plus 32, 42. Wow. Eh ouais. Ouais, 41, 42. Et maintenant. C'est bon. Ouais. On va passer. À la barbare. Donc là, vas-y, passe à 32. Allez. Direct. Toc. Hop. Toc. Vas-y, va là-bas. Et là, on va voir que. Et voilà, ça régule. Ça régule. 45. Donc, je suis monté à la barbare, donc forcément, comme ici, c'est en train de monter. Mm-hmm. Ben voilà. Nickel. Eh, elle est pas belle, la vie. C'est quand même sacrément instantané. Hein. Mm-hmm. Mm. Pas mal. Hein. Donc, moralité, tout est OK. Nickel. On fera après une autre vidéo pour le triphasé, de l'essage avec le triphasé. Mmh. Mais le principe reste le même de toute façon. D'accord. C'est comme ça? Allez. Et quoi dire d'autre là-dessus? Pas grand-chose. Donc, ça fonctionne. Alors, si on peut, on peut dire que les box là vont partir. Ouais. Hein, puisque on était un petit peu en retard. Donc, mais là, c'est nickel. Mais faute à la douane. Oui, faute à pas de chance. Ouais. Ah. D'ailleurs, s'il y a quelqu'un qui travaille à la douane. Je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Puis merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. Et voilà. Allez, bye. Salut à tous.